Abélina, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel enregistrement de voyance gratuite. Nous avons la gagnante du tirage au sort sur la page Facebook. Patricia, vous êtes en ligne? Oui, bonjour Abélina, je suis Patricia Antonia, la gagnante du tirage au sort de cette semaine. Parfait. Alors, vous vous appelez de quelle région? Dites-moi, Patricia. Bassin, c'est près de Bordeaux. Près de Bordeaux. Alors, moi, je suis très contente de vous avoir. Eh ben. On va démarrer par rapport à votre question. Je vous écoute. Ma question est simple. Côté professionnel, comment ça va évoluer? D'accord. Alors, comme d'habitude, je vous demande quelques instants, puisque moi, ça passe, au niveau du tronc cérébral. Hein, c'est toujours un peu craquant, un peu difficile. Donc, vous me voyez faire ces petits mouvements. C'est juste pour essayer de laisser le passage se faire et de récupérer mes guides ainsi que les vôtres, ainsi que vos éléments. Alors, la première chose qui apparaît, déjà, vous devez peut-être le savoir, mais en tout cas, vous êtes une très vieille âme. C'est la première chose qui apparaît et qui me descend. Très vieille âme qui a déjà beaucoup expérimenté. Et je vous ai du coup dans une grosse interrogation. L'interrogation est la suivante, mais qu'est-ce que je fous là? À quoi je sers? Et pour moi, vous sortez d'une période très difficile sur vous-même de l'année dernière. C'est est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois tout changer? Est-ce que? Parce que pour le moment, il est vrai, vous n'avez pas été rempli de ce à quoi vous attendiez, en tout cas ce que vous espériez dans cette incarnation. Ce qu'on me montre, c'est que vous avez un tempérament quand même assez franc, que vous avez une tendance à foncer lorsque intimement vous êtes convaincu. On me montre que vous avez besoin au niveau du travail, alors on me montre la part ésotérique, on va la développer, mais au niveau du travail, vous avez besoin finalement qu'il y ait de la novation. Vous êtes un petit peu dans votre cœur, un petit peu comme une éternelle adolescente, envie que ça pétille, envie de voir que ça bouge, qu'il y a de la nouveauté. Et là, on est un peu sur un plancher depuis 1, 2, 3, 4, presque 5 ans. J'ai l'impression que vous êtes dans une usure, vous êtes dans quelque chose qui n'est pas gratifiant pour vous. En tout cas, vous n'avez plus le regard que vous pouviez avoir. Je ne sais pas si jusque-là, ça vous parle. C'est impeccable. Bon, alors on va essayer d'aller développer et de vous expliquer le pourquoi du comment. Il y a toujours un sens. Il y a toujours un sens à tout cela. Alors, il n'y a pas de souci. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes un vrai travailleur de lumière, me montre-t-on. On a tous des paliers, des passages où on s'interroge sur notre légitimité, sur le fondement même de notre travail. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez? C'est vrai que pour moi, j'ai une cassure. Si je remonte, 1, 2, 3, 4, j'ai 4 ans et demi en arrière. J'ai l'impression que votre entourage n'a pas été... Alors, quand je parle d'entourage professionnel, n'a pas été à la hauteur de ce que vous auriez voulu développer. Pour moi, vous avez attiré à vous des gens qui n'étaient pas d'un niveau vibratoire suffisant. Alors, c'est terrible ce que je suis en train de dire, certains vont s'offusquer, mais j'assume et je vais jusqu'au bout pour vous développer. Lorsqu'on est travailleur de lumière, nous aussi, nous grandissons, nous avons besoin d'être tirés vers le haut, c'est-à-dire d'aller vers des expériences, des expérimentations toujours plus fortes, toujours plus nourrissantes et pas d'être tirés, entre guillemets, vers le bas par des questions cacaproutes, comme diraient les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez besoin d'avoir des rencontres aujourd'hui qui soient des êtres un peu plus éveillés dans votre travail, parce que je sens que vous avez de très bons clairs ressentis, vous êtes bonne, n'ayez pas de doute, vous êtes vraiment bonne. C'est vrai que là, on a voulu vous faire ressentir, parce que vous êtes au niveau de votre féminin sacré, vous cogitez beaucoup, ça monte énormément, mais pourquoi, mais qu'est-ce que, depuis 3 ans, vous vous êtes mouliné au niveau émotionnel, à essayer de comprendre qu'est-ce qui avait fait que c'était comme une chute, comme ça, lente, difficile, et de voir, mais je vais m'écraser. C'est le ressenti que j'ai. Est-ce que ça vous parle? Oui, c'est ce que j'ai vécu, oui. Voilà. Et alors, depuis ces 3 ans et demi. Voilà, et pour moi, j'en ai la chair de poule, parce que là, j'ai vraiment, il y a du monde. Pour moi, je vous ai juste, on est en train de vous dire stop. C'est comme si on vous disait réveille-toi, c'était un rêve, un cauchemar, hein, parce que je vois quand même qu'il y a des épreuves au niveau de la solitude du travail, de se dire mais pourquoi est-ce que je peux faire ça si finalement je ne peux pas le faire? C'est le sentiment d'avoir des capacités et de ne pas pouvoir les mettre à profit. Voilà. Et mon ressenti, la majeure, c'est quand même au niveau de votre âme, il y a une expression qui dit la mort dans l'âme. Voyez, et là, vous êtes à une phase où vous dites, mais
En fait, sur la Terre, enfin, je vois pas trop, je vois pas de sortie, je vois pas d'issue. Moi, je veux vous encourager pour la simple et bonne raison, c'est que souvent les vieilles âmes, elles ont vraiment du mal à revenir s'incarner, mais quand elles le font, c'est qu'elles ont encore des petites choses à apprendre. Les petites choses que vous avez à apprendre pour vous, c'est finalement d'être qui vous êtes et de lâcher complètement prise sur le jugement, sur j'aimerais être. Non, soyez simplement. Et belles années où vous avez été rayonnante, c'est parce que vous étiez, c'était honnête, c'était sincère et ça venait. Et puis, il faut le dire, nos métiers, et c'est bien que les gens l'entendent, nos métiers comme tout autre métier, quand on aide les autres, ben, y a une routine qui peut s'installer. Et c'est aussi à nous de nous arrêter, en toute humilité, de faire le point, de dire « Oh là là, ma clientèle, entre guillemets, ça me convient plus ». Il faut que je voie autrement. Alors oui, ça va être aussi choquant, mais je l'assume. Peut-être faut-il augmenter les tarifs. Et tout ça, ça fait partie aussi d'un travail d'élévation, d'évolution. Ça ne vous empêche pas, même si on augmente les tarifs, de garder un temps de bénévolat et de dons, puisque je vois comment vous fonctionnez. Du coup, ça permet de compenser, de dire, certes, j'ai augmenté, mais parce que j'ai besoin d'aller vers telle modalité de travail. Et certes, de l'autre côté, je continue à donner en toute discrétion et en toute humilité. Alors, ce que l'on me montre en plus, c'est que vous allez me dire, parce que ce que j'entends est super direct. Et en même temps, c'est la première fois que je l'entends pour un travailleur de lumière. Donc, je vais vous demander si ça vous parle, Patricia. On est en train de me faire comprendre qu'en fait, vous avez une désillusion sur le regard de la profession, l'air de dire « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Excusez-moi. Est-ce que vous avez l'impression, c'est ça que vous ressentez, c'est dire « Mais c'est quoi ce truc ? C'est pas moi, ça me correspond pas, mais qu'est-ce que je fous là ?» Alors, ben moi, je vous encouragerais à faire comme moi, c'est-à-dire me foutre des autres et simplement être moi-même. Vous plairez à ceux à qui vous plairez, puis vous plairez pas aux autres. Et puis de se dire, ce n'est pas parce que il y a une majeure partie de charlatans, de bidouilleurs, d'égo spirituel à en crever, etc. Ils sont aussi en train d'apprendre tout comme nous. On a pu être, on n'est pas à l'abri de retomber. Moi, je vous encourage vraiment parce que, pour parler direct sur la notion du travail, cette année, je ne vais pas sortir le martinet, hein, Patricia, mais cette année, vous n'avez pas intérêt à lâcher. Parce que, vous, en fait, ce que vous attendez... Alors justement, sur la route, j'ai trouvé une bonne année. Je me suis dit, ça commence maintenant. Ça commence bien. Cette année, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez regarder peut-être les 10 dernières années et de vous dire, mais il n'y avait pas que de la crotte. Il y avait des trucs, des belles rencontres, j'ai eu de la vibrance, j'ai eu ceci, j'ai vu, parce que je vois que vous êtes sur la clairvoyance et la clairsentience, et les clairressentis. Donc ça, je vois que vous voyez bien. J'ai pas de doute, mais j'ai l'impression qu'il y a... Oui, c'est un environnement. Il va falloir monter un petit peu votre façon de travailler pour y retrouver le bonheur et le plaisir. Vous savez, souvent on dit un petit coup de nettoyage. Allez, hop, on repart sur de nouvelles bases. Les bonnes résolutions. Allez, on y va. Vous avez cette année-là pour placer les bonnes résolutions. C'est pas qu'il n'y a rien. Mais j'ai la phrase sursis mise à l'épreuve dans votre foi, dans votre alignement. Cette année, soit vous repartez, soit vous lâchez. Alors évidemment, moi je vais vous dire, non mais s'il vous plaît Patricia, je vous en supplie, ne lâchez pas. Parce que vous avez tout ce qu'il faut. Donc même si vous êtes en période de doute, c'est plus fort que vous. Mais maintenant, pour régler la problématique d'environnement, je vous ai expliqué ce que je ressens, ce qu'on me montre. En fait, c'est pas que vous faites mal ou pas assez bien, et vous n'avez pas le retour escompté, c'est juste que la configuration est à revoir. C'est comme si vous étiez sur une scène de théâtre, c'est pas le bon décor. Hop ! Maintenant que vous le savez, prenez le temps. C'est étrange. Dites-moi. J'ai fait un rêve là-dessus, où je voyais une scène avec un rideau derrière, ah ben voilà. Un théâtre avec deux épées de chaque côté. Elle montait l'une d'un côté, l'une de l'autre, mais en alternance. Et je me suis dit, j'ai des choix à faire. Il y a des choix à faire. Et là, c'est des choix qui sont propres à votre âme. L'expression du mal-être d'une âme, c'est vraiment, j'en peux plus. J'ai besoin d'exister, j'ai besoin de m'exprimer tel que je suis réellement. Et là, il faut juste que vous soyez vous. Et c'est vrai que le ménage, vous avez, entre guillemets... je ne vais pas dire du mal à le faire parce que ça vous fait peine. Vous avez une tendance quand même à vous dire « Bon, mais alors, stop, 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 stop. » On me parle quand même de grands moments d'abandon et de solitude d'un environnement. Là, on est en 2017, je redescends au niveau de l'échelle du temps, 16, 15, 14. 2014, pour moi, il y a eu des grands lâchers au niveau de votre environnement, famille et amitié, où on vous a laissé vous dépatouiller.
Voilà, que ça vous serve de leçon. N'ayez aucun scrupule. Est-ce que ça vous parle 2014? Oui, c'est un changement dans ma vie. Gros changement. Et il est temps, il est temps vraiment que vous puissiez maintenant être vous-même. Vous êtes un magnifique travailleur de lumière. D'accord? Un magnifique. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'êtes pas plus ni moins que quiconque. Vous êtes en apprentissage comme tout un chacun. Simplement, votre vieille âme, elle est un peu fatiguée, je dirais, de la bassesse humaine. Elle est un peu déconnectée de toutes ces considérations matérialistes où il n'y a pas de morale, de valeur. Il y a du dégoût. Mais, là où vous pourriez reprendre du plaisir, ça serait à repartir à travailler comme vous avez pu le faire. Comme vous avez pu avoir des énergies positives à une époque. Il faut simplement y revenir. Y revenir pour vous, hein, pas pour les autres. Hein. Ça revient. Et ça va revenir. Ça revient, mais c'est très amusant, ouais, parce que la question des tarifs s'est posée et on m'a donné une bonne leçon là-dessus. Parfait, vous voyez, voilà. C'est pas pour rien que je vous en parle. Synchronicité, c'est que tous ces éléments, vous êtes en doute, peut-être en retrait, de vous dire « Ah non, mais ça se trouve, c'est pas bien ». Mais c'est pas bien de quoi? On n'est plus à l'époque d'Alan Kardec. Le loyer, il faut le payer. On va pas payer avec un demi-poulet et un litre de lait. Ça, il faut arrêter. C'est notre travail, nous ne faisons que ça toute la journée. Nous n'avons aucune autre subsistance. Donc, bien sûr qu'il faut, dans la mesure du raisonnable, se faire payer. Oui, tout travail mérite salaire. Vous allez bien chez le dentiste, vous le payez, vous achetez votre pain, vous le payez. Pourquoi est-ce que nous, le travail que nous faisons, n'aurait pas une valeur? Et c'est ce qu'on essaye de vous dire. Vous avez tellement dévalorisé votre âme dans votre travail de lumière qu'en fait, eh bien, vous avez aussi dévalorisé le lien que vous aviez avec eux, l'air de dire, bon, bah oui, c'est quelque chose de... Non, non. Vous devez complètement vous remettre dans la compréhension que de vous respecter vous, ça veut dire que vous respecterez ce qui vous entoure. Non pas que vous l'ayez fait consciemment, c'est pas du tout ça. C'est qu'on vous a fait passer par un chemin d'épreuve où encore une fois vous avez eu besoin de vous confronter à la matière, à l'humain, à la débilité de l'humain, à l'arrogance, enfin bref, à tous les défauts terrestres que l'on peut voir, à la malveillance, à malhonnêteté intellectuelle et autres. Et du coup, votre âme a dit, mais qu'est-ce que c'est? Ben oui, mais vous avez demandé encore une fois de revenir au plus proche de l'humain pour voir si vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice. Moi, je vois qu'elle est là, il n'est pas question de la lâcher, mais cette année, prenez les vraies bonnes résolutions. Au niveau du travail, ça va reprendre, je parle au niveau monétaire, au niveau de l'assurance en soi, ça va reprendre pour moi fin de l'été. Donc, il y a un gros travail à faire sur qui suis-je. Je vois la précognition, vous êtes installé à votre compte avec des cartes, vous tirez des cartes. Je m'en sers en tant que carte thérapie. Voilà, parce que pour moi, je vous ai plutôt avec des supports, voyez. Donc, c'est parfait. Utilisez tout, mais on me dit là aussi, d'ici la fin de l'été, vous lâcherez tout ça. Vous resterez le canal que vous êtes. Oui, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, vous êtes reparti. Je suis canal, là. Vous êtes canal, vous n'avez pas besoin de support. Alors, souvent, ça choque le consultant qui dit, oh là là, mais attends, elle s'installe, elle me regarde, elle n'a rien, pas de rien du tout, non? Ben non. Le canal, c'est ce que je suis en train de vous faire, vous le faites. En général, j'utilise rien et de temps en temps, je sors les cartes thérapie pour apporter plus profondément chez la personne et c'est énorme. C'est énorme. C'est que en thérapie, pas en divination. Alors, moi, je vous dirais, ayez totale confiance en vos guides, puisque j'en ai déjà deux qui sont en présence. Hein. J'ai vraiment sur la précognition, donc au niveau des clairs ressentis, mais également, donc ça, c'est un être de lumière que j'ai, hein, donc il n'a pas été incarné. Alors, je ne sais pas si vous êtes relié à l'archange Michael, mais voilà. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça, il est là tout le temps, je l'appelle voilà. Tout le temps. Voilà, parce que ouais, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Oui. Et à chaque fois que j'ai les archanges, je suis une petite fille tétanisée, je ne la ramène pas, je ne peux pas faire de blagues, parce qu'ils sont très bizarres avec moi. Moi, je n'ai pas ce lien avec les anges ou les archanges particulièrement, et je leur demande pardon, mais voilà. Et donc là, je l'ai senti, est descendu, et oh, on m'a... Fait me calmer direct et voilà. Donc, sachez que vous êtes extrêmement bien entouré. C'est pas votre première incarnation. Vous avez quasiment déjà fait le tour de beaucoup de choses. Vous avez juste, c'est un petit peu comme on parlait tout à l'heure, le symbolique qu'on m'envoyait, qui était de votre rêve, sur cette espèce de scène de théâtre, c'est comme si vous aviez besoin de jouer votre dernière pièce et de pouvoir tirer votre révérence avec classe et élégance. Or là, j'ai l'impression qu'intérieurement... Ah, super. Voilà. Or là, j'ai l'impression que vous me dites, non mais bon, moi je suis pas dans mon rôle, je suis pas dans mon truc. Donc c'est bien, on y revient. Ça va être super sur la fin de l'année.
D'accord. Donc du courage, mais surtout, mettez-vous du baume au cœur. Rappelez-vous que vous êtes tout simplement et que vous savez faire. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va couper la vidéo là parce que j'ai des choses à vous dire en aparté et on va terminer toutes les deux en aparté. Donc d'accord. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Puis si comme Patricia, vous voulez merci. Avoir votre tirage au sort pour la voyance gratuite, ben, ça se passe sur la page Facebook tous les mercredis. Je vous dis à très bientôt, âme lumineuse.